Merci. Bien, alors comme on vient de vous le dire, cette œuvre en scène sera doublement atypique. Hein. Ça porte sur les pèlerins d'Emmaüs de Véronèse. Première raison pour laquelle elle est atypique, c'est qu'elle porte sur les pèlerins d'Emmaüs de Véronèse, mais en même temps sur la conférence que Nocré a prononcée le 1er octobre 1667 sur ce tableau. Deux mots brièvement pour ceux qui n'ont pas assisté à la série des conférences qui ont été données sur les conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, dont Christian Michel et moi nous publions l'intégralité, et on en est au 7e volume, je crois, 4e tome. Les conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture ont été instituées dès la fondation de l'Académie, ont commencé en 1667, elles avaient lieu une fois par mois, et elles avaient lieu devant un tableau, c'est-à-dire que un peintre était chargé donc de commenter un tableau, ou une sculpture plus rarement, parce que c'était plus difficile à descendre, de commenter un tableau, et c'était suivi d'une discussion. Donc la conférence de Nocré, qui a eu lieu le 1er octobre 1667, fait partie des premières, si vous voulez, c'est la première année des conférences. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle cette œuvre en scène est atypique, puisque c'est à la fois sur le tableau et sur une conférence sur un tableau. Donc il y a une sorte de plusieurs niveaux. Nous allons commenter ou intervenir à la fois sur la conférence et sur le tableau. La deuxième raison pour laquelle cette œuvre en scène est atypique, comme on vous l'a dit, c'est que malheureusement, pour des raisons techniques et pour ne pas faire courir de risques à ce tableau, le tableau n'a pas pu être descendu. On a donc filmé le tableau, comme vous allez le voir. Enfin, l'équipe technique a fait un film, a filmé le tableau ici, à Versailles également, où le tableau était à l'origine, comme on va vous l'expliquer. Et la conférence de Nocré a été enregistrée par Michel Cochet, qui est présent dans la salle. Et donc, on va vous passer le film, vous allez entendre le texte, et film et lecture de la conférence seront interrompus par Jean Habert et moi-même. Donc, pour suivre un petit peu cette scansion entre texte, conférence, etc., tableau de Véronèse et conférence de Nocré, on va commencer quand même par parler du tableau de Véronèse, et je vais laisser Jean présenter le tableau. Ensuite, moi, je présenterai la conférence, et puis on verra le film et on entendra la conférence. Voilà, alors donc là, pour la première image du tableau, le tableau est reproduit. Excusez-moi, j'ai oublié de dire que le tableau que vous voyez là est en dimension réelle, hein, tel que vous pouvez le voir dans la salle du Louvre. Pardon. Ensuite, nous allons le reproduire à plein écran, mais là, il est à sa vraie dimension, pour vous donner une idée. Donc, peint par Véronèse, Paolo Cagliari, né à Vérone en 1528, mort à Venise en 1588, évidemment, l'un des plus grands peintres du XVIe siècle vénitien, le plus connu après Titien. Le tableau fait 2,42 m de hauteur sur 4,16 m de largeur. Donc c'est la toile originale qui a ces dimensions, et le tableau est présenté au moment où je parle et en permanence dans la salle des États, c'est-à-dire la salle de la Joconde, sur le mur de droite lorsqu'on arrive de la Grande Galerie. Alors, le tableau représente un épisode de l'Évangile selon saint Luc, habituellement dit « Les pèlerins d'Emmaüs » ou « Le souper à Emmaüs », qui est un thème souvent traité à Venise depuis la fin du XVe siècle, celui, peut-on dire, qui a vraiment lancé le thème à Venise, c'est Giovanni Bellini, qui a peint un tableau célèbre sur ce sujet vers 1490, tableau malheureusement perdu, mais dont il reste des échos parmi le même thème reproduit par les Belliniens, les élèves de Bellini. Mais l'une des déclinaisons du thème les plus influentes est celle de Titien, que vous verrez plus tard, les pèlerins d'Emmaüs conservés au Louvre, un tableau peint vers 1530-1533 et qui est exposé en permanence lui aussi dans la salle des États. Alors, les pèlerins d'Emmaüs,
raconte, c'est ce que saint Luc raconte, que le jour de la résurrection du Christ, il y a eu deux Christophanies. La première, ça a été l'apparition du Christ à Marie-Madeleine sous la forme d'un jardinier dans le cimetière, près du Golgotha. Et la deuxième Christophanie, c'est l'apparition du Christ sur un chemin entre Jérusalem et Emmaüs, où, selon des identifications apocryphes, Luc et Cléophas, cheminant de Jérusalem au bourg d'Emmaüs, donc voici sur la partie gauche du tableau une représentation imaginaire de Jérusalem vue en gros plan, vous voyez, brossée très rapidement par Véronèse. Donc les deux pèlerins cheminent sur le chemin qui mène à Emmaüs et rencontrent un troisième pèlerin inconnu à qui il commence à raconter ce qui s'est passé à la mort du Christ et juste après. Et à leur étonnement, ce troisième pèlerin connaît très bien toutes les idées, toute la pensée chrétienne qu'il leur expose. Et comme le soir approche, il l'invite à souper avec eux à Emmaüs. Donc voilà ce que représente le tableau. Mais évidemment, Véronèse nous surprend à plusieurs titres dans sa manière de représenter la scène. Première surprise, les pèlerins donc, qui se trouvent ici au centre autour de la table ne sont pas seuls. Bon, ils sont entourés de toute une foule de personnages. En fait, un portrait collectif de la famille aristocratique qui a commandé le tableau. Et on voit donc la mère de famille tenant son dernier-né, le père, un beau-frère, 10 enfants, 4 serviteurs dont l'un est un Africain, 2 chiens et un chat qu'on voit dans l'ombre de la table. Donc, des personnages qui n'ont rien à voir avec la description de saint Luc. Donc, on peut dire que le tableau est autant un portrait collectif que la représentation proprement dite des pèlerins d'Emmaüs. Et on pourrait presque dire que la représentation de la scène religieuse est un prétexte pour montrer ce portrait collectif. En fait, c'est un moyen, dans l'esprit panthéiste, peut-on dire, des Vénitiens, un moyen de mieux fusionner la vie religieuse et la vie quotidienne. C'est en quelque sorte, c'est ce qu'on a dit souvent de la peinture de Véronèse, que ça peut être une représentation laïque d'un sujet religieux, qui est tout à fait typique de l'esprit vénitien du XVIe siècle, surtout dans la seconde moitié du XVIe siècle, puisque le tableau a été peint vers 1559. La scène, en plus, se passe, vous voyez, dans un lieu à la somptueuse architecture palladienne, donc c'est le perron tout à fait typique d'une villa vénitienne de terre ferme, avec des marches qui montent au perron, c'est pour ça que nous sommes en surplomb par rapport au paysage, et puis la porte d'entrée de la villa, entouré de colonnes cannelées tout à fait typiques de Palladio. Donc, nous sommes en présence d'une famille vénitienne qui, en quelque sorte, reçoit dans sa villa le Christ et les 2 autres pèlerins d'Emmaüs. Alors, donc, ce tableau peint vers 1559 se place dans la carrière de Véronèse juste après les plafonds des 3 salles du Conseil des 10 au Palais des Doges, dont je vous rappelle qu'il y a 2 de ces plafonds au Louvre, présentés également en permanence dans la salle des États. Juste après aussi les plafonds de l'église San Sebastiano, donc cette église de Venise où Véronèse est enterrée avec son frère et qui est à peu près entièrement décorée par lui.
et juste avant les fresques, les célèbres fresques de la Villa Barbaro à Mazères, qu'on date en général vers 1560 ou 1561. Donc ce tableau se place dans ce contexte artistique. Et autre particularité du tableau, surprise si on veut, c'est la composition. C'est une composition décentrée, où en fait l'action est décomposée en trois moments. Donc il y a la rencontre des pèlerins avec le Christ, ensuite le cheminement vers Emmaüs, et ensuite le repas lui-même. Donc pendant ce repas, le Christ, au début du repas, fait le geste de rompre le pain, qui rappelle le geste qu'il a fait à la dernière scène, lors du dernier repas avec les apôtres à Jérusalem, et c'est là que les deux disciples reconnaissent le Christ qui disparaît de devant leurs yeux, comme dit saint Luc, au moment où il rompt le pain. Donc l'épisode est montré et décomposé en trois moments. L'artiste insistant sur le troisième moment, par l'ampleur qu'il donne à la scène qui occupe presque toute la toile, mais aussi par la précision qu'il donne à tous les détails de la scène, alors que les deux autres moments sont simplement suggérés avec un pinceau très rapide, avec d'ailleurs un petit clin d'œil à l'histoire locale de Venise, puisque ces ruines qui se trouvent au milieu du paysage rappellent la bibliothèque de Saint-Marc de Sansovino, qui justement, à peu près au même moment, un coin s'était écroulé, le coin qui se trouve vers la place Saint-Marc. Donc c'est un petit clin d'œil un peu humoristique de Véronèse à un incident de parcours de cette époque qui a marqué la vie culturelle de Venise. Alors le tableau, donc peint vers 1559, a dû rester dans une villa vénitienne quelque part dans la terre ferme et n'a pas eu une énorme fortune artistique et critique avant le XVIIe siècle. Donc le tableau n'était pas vraiment visible. Les seuls échos qu'on a de cette composition, ce sont des échos par l'atelier de Véronèse ou dans des dessins de Véronèse lui-même, mais pas chez d'autres artistes. Donc le tableau n'était pas accessible, pas vraiment accessible pendant le temps qu'il est resté en territoire vénitien. Et on le voit réapparaître au XVIIe siècle dans la collection du duc de Savoie, Victor Amédée Ier, où il est mentionné dans l'inventaire de 1635. Victor Amédée étant duc depuis 1630. On remarque néanmoins en bas à gauche une inscription en lettres dorées et en majuscules. Ce n'est pas une signature, c'est une inscription Paolo, en italien Paolo Veronese. On a repéré dans différents musées deux autres tableaux qui ont la même inscription en lettres dorées, ce qui fait supposer que ces tableaux venaient d'une même collection à un moment de leur histoire, en tout cas pour le tableau de Véronèse, avant son entrée dans la collection des ducs de Savoie. Alors, le tableau, le duc Victor Amédée meurt en 1637, laissant le duché à sa veuve, Christine de France, qui était la sœur de Louis XIII, et celle-ci, ou peut-être Victor Amédée encore de son vivant, c'est une inscription qu'on trouve dans l'inventaire de 1635, fait don du tableau au duc de Créqui, qui était le lieutenant général, c'est-à-dire le commandant de l'armée française en Italie, de 1635 à 1637. Comme la France et la Savoie à cette époque étaient des alliés, le duc ou la duchesse ont éprouvé le besoin de remercier le duc de Créqui de ses bons services par ce don somptueux qui a fait entrer en France le premier grand tableau vénitien du XVIe siècle, puisque Créqui le rapporte à Paris dans son hôtel en 1638, meurt la même année, il y a une vente après son décès, et le tableau est acheté par Louis XIII
par l'intermédiaire du cardinal ou sur l'incitation du cardinal de Richelieu, qui était lui un grand amateur d'art, plus que le roi lui-même, et que Richelieu garde au palais cardinal, qui deviendra ensuite le palais royal. Donc ce palais que Richelieu a fait construire dans les années 1630, qu'il a légué à la famille royale en 1636, mais qu'il continue d'habiter jusqu'à sa mort en 1642. Louis XIII, lui, meurt en 1643, et donc le tableau se trouvait dans le grand salon décrit par Sauval du palais royal, du palais cardinal devenu palais royal, acheté par Louis XIII, sans doute à cause de son intérêt recommandé par Richelieu, et peut-être aussi en souvenir de sa sœur Christine. Après la mort de Louis XIII, après la mort de Richelieu, d'abord, la famille royale s'installe au palais cardinal qui devient palais royal. Louis XIII meurt en 1643. Anne d'Autriche continue à habiter le palais royal, mais fait très vite transférer la collection au château de Fontainebleau, et le tableau est accroché vers 1646, sans doute, au château de Fontainebleau, dans la grande antichambre de l'appartement royal, où il reste jusqu'en 1667, date de son transfert demandé par Louis XIV dans le grand cabinet des Tuileries. Là, aux Tuileries, il est accroché dans le grand cabinet des Tuileries, qui est aussi le cabinet des tableaux du roi, au moins jusqu'en 1673, selon le témoignage de Félibien. Louis XIV demande à Lebrun de peindre un tableau dit « La famille de Darius » ou « La tante de Darius » que Lebrun, donc Charles Lebrun, commence à Fontainebleau en 1660 et qu'il termine à Paris en 1661. Et selon le témoignage de Félibien, le roi fait transférer les deux tableaux dans le grand cabinet des Tuileries, donc vers 1667-1668, et on constate, d'après les descriptions, que les deux tableaux sont présentés face à face, le Lebrun et le Véronèse, face à face dans ce grand cabinet. Donc, c'est à ce moment-là que commence une idée de comparaison entre les deux œuvres pour exalter, en quelque sorte, la peinture française égale de la peinture italienne, voire même surpassant la peinture italienne. On reviendra sur cette question. Les deux tableaux sont ensuite transférés par Louis XIV à Versailles en 1682, lorsque la cour s'installe à Versailles. Et là, selon la volonté expresse du roi Louis XIV, les deux tableaux sont accrochés en pendant dans le salon de Mars, de part et d'autre de la cheminée. Mais pour cela, ils subissent un maniement assez drastique, puisque le tableau de Lebrun que vous venez de voir à l'instant est réduit presque d'un tiers, sauvagement coupé d'un tiers, alors que le Véronèse, qui est encore plus petit, malgré ce traitement, lui est agrandi de 40 cm en hauteur et de 20 cm sur les autres côtés. C'est une manipulation que beaucoup de tableaux ont subi, puisque à Versailles, on adapte les tableaux de la collection royale au lieu qu'ils doivent décorer, c'est-à-dire aux cimaises, on crée des pendants, des faux pendants, etc. Enfin, il y a énormément de manipulations. Les agrandissements du tableau de Véronèse ont été supprimés lors de la restauration de 1950. Donc le tableau au Louvre a retrouvé ses dimensions, mais à Versailles, on en voit une copie ancienne qui provient de l'église Saint-Jacques de Compiègne et qui a été déposée par la ville de Compiègne au château de Versailles en 1957 et qui, lui, reproduit le tableau de Véronèse avec ses agrandissements, dans ses dimensions donc agrandies pour la présentation au Salon de Mars. Quant au tableau de Lebrun,
Le Louvre l'a déposé à Versailles en 1934. Donc aujourd'hui, au Salon de Mars, on voit l'original de Lebrun et cette copie ancienne de Véronèse. Enfin, dernier point de l'histoire du tableau du Louvre, donc de l'original, c'est qu'il a été restauré en 2004 pour donc la nouvelle installation de la salle des États en 2005, où il est présenté depuis lors. Voilà la copie. C'est vrai que c'est une question passionnante. On a cette comparaison historique à Versailles depuis 1682 et avant aux Tuileries, puisque dans le grand cabinet du roi aux Tuileries, les deux tableaux étaient aussi d'une certaine manière en pendant, en tout cas face à face. Il fallait se retourner pour voir l'autre tableau, mais déjà une première idée de comparaison. Alors pourquoi ces deux tableaux-là? Pourquoi Véronèse pour mettre en parallèle avec Lebrun? On a peut-être quelques éléments lors de la visite du Bernin, donc lorsque le cavalier Bernin vient en France, et il critique beaucoup, il admire certaines choses, Poussin évidemment, il admire aussi Lebrun, peut-être un peu contraint et forcé, en tout cas lorsqu'il voit la série d'Alexandre, qui à ce moment-là est au Gobelin pour être tissé, ça lui évoque Véronèse. Et donc là on est en 1665, peu de temps après que Lebrun a peint ce tableau, et donc peut-être que le Bernin est l'un des premiers à faire cette comparaison Lebrun-Véronèse, qui est intéressant, et peut-être a-t-il donné l'idée à Louis XIV, qui a dialogué avec lui, des dialogues d'ailleurs passionnants, c'est ensuite donc quelque chose qui va se figer dans cette présentation ici au Salon de Mars, selon ce que disent les sources anciennes, dans la mesure où elles sont fiables, je pense au Mercure Galant, ce serait Louis XIV lui-même qui aurait voulu cette présentation, le Lebrun ici à gauche de la cheminée, le Véronèse à droite. Et là, il voulait démontrer une chose, il voulait démontrer que ce tableau de Charles Lebrun, qu'il appréciait beaucoup, qui est devenu son premier peintre, eh bien, était aussi beau, si ce n'est encore plus beau, qu'un des chefs-d'œuvre de la collection du roi, qui est le tableau de Véronèse, les Pèlerins d'Emmaüs. L'original de Véronèse a figuré ici jusqu'à la Révolution. Il a quitté Versailles après la Révolution pour rejoindre le Louvre. Au Louvre, l'original de Véronèse a été restauré en 1950 et c'est à ce moment-là que la décision a été prise, il me semble que c'est Germain Bazin, le conservateur à l'époque, de revenir au format original, donc d'enlever les agrandissements faits sous Louis XIV pour le mettre au format du tableau de Lebrun. Le Véronèse donc, est aujourd'hui à ses dimensions originales. Il ne rentrait plus dans son cadre qui nous a été rendu, donc c'est le cadre que vous voyez là, qui est un cadre de Jean-Charles Buteux, commandé en 1786. Et pour remplir ce cadre, nous avons eu la chance de récupérer de l'église Saint-Jacques de Compiègne, en 1957, une copie ancienne donc des Pèlerins d'Emmaüs de Véronèse. Donc en 1957, nous avons pu replacer cette copie dans le cadre, et aujourd'hui, l'original de Lebrun voisine avec une copie probablement 17e, mais malheureusement considérablement repeinte. Alors maintenant, nous allons bien passer à la conférence de Nocret. Vous allez suivre avec Nocret, vous allez parcourir le tableau. Je voudrais simplement dire quelques mots pour présenter cette conférence de Nocret. Je reprends ma date du 1er octobre 67. Alors, il faut savoir que dans les statuts fondateurs, dans les articles fondateurs des conférences de l'Académie, il était dit que chaque conférence devait être l'occasion de traiter d'un problème ou d'une difficulté de l'art. C'est-à-dire qu'il y avait un tableau, une sculpture, comme j'ai dit, une œuvre qui était présente, un académicien qui était chargé d'analyser cette œuvre, mais il ne s'agissait pas de commenter une œuvre, mais à l'occasion d'une œuvre, de traiter d'un problème, c'est-à-dire à l'occasion d'un tableau de Titien, de traiter du coloris, à l'occasion d'un tableau de Raphaël, de traiter du dessin, à l'occasion de tel autre tableau, de traiter de l'imitation, etc. Donc à chaque fois, il fallait traiter d'un problème. Alors le problème que Nocret va traiter dans cette conférence
à propos du tableau de Véronèse, c'est la question qu'il va traiter, c'est la question des lumières. Hein, c'est la question des lumières et des reflets. Vous allez voir qu'il va essentiellement insister là-dessus, et il va aussi traiter de la question de la vraisemblance pour répondre à des critiques aussi plus, enfin, ou pour anticiper plutôt même des critiques qui seront adressées au tableau, anticipant ainsi des critiques. Il va traiter donc essentiellement de la question de la lumière et notamment d'une question très importante qui est la distinction entre ce que l'on appelait alors la lumière première et la lumière seconde, hein, c'est-à-dire la lumière qui tombe directement d'une source, hein, et la lumière seconde ou lumière réfléchie. C'est une question qui a été très longuement agitée dans les conférences de l'Académie royale de peinture et sculpture. Je signale simplement pour montrer que c'est une question qui dépasse largement le cadre de la peinture. Descartes, peu de temps avant aussi, aborde cette question de la distinction entre la lumière première et la lumière réfléchie. Alors, dans la séance précédente, qui était la conférence prononcée par Mignard, le 3 septembre 1667, Nicolas Mignard. Hein. Le 3 septembre 1667, Nicolas Mignard donc, avait prononcé une conférence sur la Sainte Famille de Raphaël, dans laquelle cette question de la lumière et de la distinction entre lumière première et lumière seconde avait déjà été abordée. Et Nicolas Mignard avait fait l'éloge, avait considéré comme une grande qualité de ce tableau et de Raphaël, la peinture de Raphaël, de ne pas avoir utilisé la lumière seconde, donc de ne pas avoir utilisé des reflets. Je lis juste un passage de ce que dit Mignard. Mignard avait remarqué, je cite, que pour rendre ce divin enfant plus éclairé, Raphaël a évité tous les accidents qui pouvaient interrompre les rayons du jour et lui porter de l'ombre, ne voulant pas qu'il y eût aucune obscurité dans celui qui est lui-même la source de toute lumière. À ce moment-là, quelqu'un était intervenu, puisque les conférences étaient l'objet de suivi de discussions, hein, quelqu'un était intervenu, je cite, et trouva à redire de ce qu'on avait particulièrement estimé ce tableau à cause qu'il n'y a aucun reflet, et dit que bien loin de les condamner dans un ouvrage, ils y doivent être exactement observés, qu'ils donnent plus de beauté et plus d'éclat aux figures, et qu'il fallait plutôt dire que cette omission dans le tableau de Raphaël est un manquement qu'on ne saurait excuser. Avait suivi une longue discussion. Hein. Alors, ce quelqu'un de l'Académie, on pense que c'est Nocret, parce que c'est exactement la question qu'il va reprendre dans sa propre conférence. Et donc, à l'objection de cet académicien dont on pense qu'il s'agissait de Nocret, Mignard avait répondu que, je cite, « tant s'en faut que les lumières de reflets soient avantageuses dans un ouvrage, qu'au contraire elles en diminuent la force et font que les membres d'un corps paraissent transparents, parce que d'un côté étant éclairés de la première lumière et de l'autre d'une seconde lumière de réflexion, et même dans des endroits qui devraient recevoir de l'ombre, ils paraissent comme s'ils étaient d'une manière diaphane et semblable à du cristal où le jour passe au travers, ce qui, bien loin de donner de la force et du relief aux figures, les rend faibles et sans rondeur. » C'est donc cette question que Nocret va reprendre, développant très longuement à l'occasion de cette conférence à propos du tableau de Véronèse, développant au fond très longuement cette objection qu'il avait faite lors de la conférence précédente et insistant sur l'importance, d'un point de vue pictural, de représenter les deux types de lumière, la lumière première et la lumière seconde. Voilà. Et donc, on va maintenant entendre la conférence, mais vous allez d'abord voir un tableau de Martin qui représente, pas celle du Louvre, Jean-Bert va vous présenter, qui représente une assemblée, alors qu'il n'était pas à l'Académie du XVIIe siècle, mais qui représente une assemblée. Voilà, un tableau de Jean-Baptiste Martin, un artiste né à Paris en 1659, mort à Paris en 1735, dit parfois Martin des Batailles. Un tableau entré au Louvre en 1998 et qui représente une assemblée ordinaire de l'Académie royale de peinture et de sculpture au Louvre entre 1712 et 1721. En fait, cette assemblée ordinaire est représentée donc à côté de la rotonde de Mars que vous voyez ici, où avaient lieu les réunions solennelles de l'Académie. Nous sommes au rez-de-chaussée de la cour carrée,
Et ici, nous sommes dans l'actuelle salle de Diane. Donc c'est un petit tableau, petit, qui fait 30 cm sur 43 et que vous pouvez voir actuellement dans les salles d'histoire du Louvre. Cinquième conférence tenue dans le cabinet des tableaux du roi, le samedi 1er jour d'octobre 1667. Lorsque l'Académie se fut assemblée dans le cabinet des tableaux du roi et que chacun eut considéré le sujet sur lequel on devait faire des observations, M. Nocret, qui était préposé pour cet effet, fit entendre à la compagnie qu'après les excellentes remarques qu'on a faites dans les dernières conférences sur les tableaux de Raphaël et du Titien et sur les statues antiques, il semble qu'il n'y aurait pas lieu de rien dire davantage sur ceux qui regardent la peinture, si c'était un art qui eut des bornes aussi étroites que la plupart des autres arts. Mais que celui-là, s'étant si loin et composé d'un si grand nombre de belles parties, qu'il ne devait pas craindre de manquer de matière pour entretenir l'assemblée. Qu'il appréhendait plutôt de ne pas le faire avec toute la pureté de langage que demande le sujet dont il est obligé de parler, et avec toute la suffisance qu'il serait nécessaire dans une assemblée où il voudrait bien pouvoir satisfaire la curiosité des personnes savantes et instruire en même temps ceux qui en ont besoin. Qu'il a choisi un tableau de Paul Véronèse afin de faire voir que l'étude de la peinture est si vaste qu'il n'y a point eu de peintre célèbre qui n'ait possédé quelques parties plus parfaitement que les autres et à qui la nature n'ait donné en partage un talent particulier. Que Paul Véronèse peut être considéré comme l'un de ces illustres peintres, étant certain que tout ce qu'il a fait tire sa première origine de son beau naturel, et qu'on peut dire que la peinture l'est allée chercher jusque dans le berceau, puisque dès ses premières années, il témoigna son inclination pour elle et qu'il la suivit toujours, nonobstant le désir que ses parents avaient de l'engager dans une autre profession. De sorte que ce qu'il y a de particulièrement remarquable dans les ouvrages de ce grand homme est cette facilité de peindre si naturelle et si agréable qu'on y voit toute chose semblant s'y être faite d'elle-même et sans peine. Qu'il ne s'arrêterait pas à parler ni de sa naissance, ni du temps auquel il a travaillé, ni des ouvrages qu'il a faits, puisque cela n'est point de son sujet, que même il ne dirait rien de beaucoup de parties où il n'a fait qu'égaler la plupart des autres peintres, mais qu'il s'arrêterait seulement à celles où il a excellé, et en quoi l'on voit qu'il y en a peu qui soient arrivés à un si haut degré que lui. Alors, je voudrais là attirer votre attention sur deux points importants dans ce premier paragraphe, et notamment le dernier passage, quand il dit qu'il ne s'arrêterait pas à parler, etc. Bon. D'une part, le fait que Nocret insiste sur le fait qu'il ne parlera pas de sa biographie, il ne racontera pas sa vie, de l'époque, etc. Vous verrez qu'il ne parle pas non plus d'iconographie, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente, etc. Ce sont des questions qui ne l'intéressent pas. En tout cas, dans cette conférence, le point de vue de Nocret n'est pas celui d'un historien ou d'un historiographe, comme on peut l'être Vasari ou Félibien, etc., qui raconte la vie du peintre, les tableaux qu'il a peints. Ce n'est pas le point de vue non plus de quelqu'un qui cherche à interpréter les figures, etc. C'est un point de vue de peintre. Et ça apparaît tout de suite dans la conférence. C'est-à-dire que ce que l'on va entendre là, c'est la conférence d'un peintre sur un tableau, c'est-à-dire un œil de peintre qui regarde un tableau. Or, un peintre, qu'est-ce qui l'intéresse dans un tableau? Qu'est-ce qui l'intéresse d'abord? C'est de voir comment le peintre qui l'étudie a trouvé des solutions picturales à des problèmes picturaux. La première chose qui intéresse un peintre, ce n'est pas d'abord de savoir qu'est-ce que ça représente ou s'il a vécu à tel endroit ou s'il est né à tel endroit, mais comment il a résolu un problème ou des problèmes. Et ici, ça va être la question de la lumière. Donc, je crois que c'est très important le fait qu'il insiste sur le fait que ce dont il ne parlera pas. La deuxième chose sur laquelle il insiste, c'est qu'il ne parlera que des parties dans lesquelles Véronèse a excellé. Ça, c'est quelque chose, je crois, d'important, notamment au XVIIe siècle. Ça envoie l'idée que, d'une part, au XVIIe siècle, il n'y a pas de peintre parfait.
Il n'y a pas de peintre qui soit parfait en toutes les parties de la peinture. En revanche, chaque peintre a des... Enfin, on peut considérer qu'il y a des parties dans lesquelles tel peintre a plus excellé que tel autre. Donc, d'un point de vue pédagogique, parce qu'il ne faut pas oublier que ces conférences ont aussi une finalité pédagogique, puisqu'il y a dans l'assemblée de futurs peintres et de futurs sculpteurs, hein, d'un point de vue pédagogique et du point de vue de la fécondité de l'analyse, il importe d'insister sur les parties dans lesquelles le peintre a excellé. Donc, quand il s'agit de Titien, par exemple, on ne parlera pas... Quelqu'un reprochera un défaut de dessin, on dira « oui, mais ça, c'est pas grave, Titien, c'est le coloris ». Donc, il faut parler du coloris quand on parle de Titien. Si on veut parler du dessin, on parlera de quelqu'un d'autre. Que ce tableau, qui représente notre Seigneur dans le bourg d'Emmaüs et assis à table au milieu des deux disciples auxquels il se manifesta après sa résurrection, peut être considéré dans son ordonnance, dans son dessin et dans ses couleurs, que pour ce qui est de la manière dont ce sujet devait être traité pour garder la vraisemblance, on voit que c'est à quoi le peintre ne s'est point attaché, ayant peut-être été obligé, par celui qui le faisait travailler, de représenter ce grand nombre de figures qui composent une famille entière, dont apparemment on a voulu qu'il fît les portraits, au nombre desquels il a mis aussi le sien. Mais, s'il n'a pas observé toute la vraisemblance nécessaire à ce sujet, il faut considérer comme une partie admirable de ce tableau la grandeur de l'ordonnance, et regarder de quelle sorte toutes les figures sont disposées d'une manière si noble qu'il n'y a rien qui d'abord ne surprenne la vue et ne charme l'esprit. Ce qu'il y a d'architecture est fort bien entendu. Mais, comme il affectait de négliger plusieurs parties qui ne sont pas les plus importantes afin de faire paraître davantage les principales, M. Nocret ne s'arrêta aussi qu'à montrer ce qui est de plus considérable. Il fit remarquer la beauté du dessin et la variété qu'il y a dans les airs de tête où la grâce, la force et la douceur se rencontrent conformes à l'âge, au sexe et aux conditions des personnes qu'il a représentées. Comme Paul Véronèse avait une manière de vêtir ses figures qui d'ordinaire n'étaient pas fort convenables au sujet qu'il traitait, et que c'est en quoi on ne doit pas l'imiter, il dit qu'il n'en parlerait point, mais que les expressions, les lumières et les couleurs étant admirables dans ce tableau, c'est à quoi il s'arrêterait davantage. Donc, quand on examine bien cette partie du compte-rendu de la conférence de Nocret, on voit qu'il insiste effectivement sur tout ce qu'il admire dans ce tableau. Donc, il appelle l'ordonnance dont il admire la grandeur, l'architecture qui est fort bien entendue, et la beauté. Et il admire aussi comment Véronèse affecte de négliger plusieurs parties qui ne sont pas les plus importantes afin de faire paraître davantage les principales. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il admire que Véronèse insiste sur le moment principal et ne fait que suggérer les moments précédents. Ensuite, il admire le dessin, D-E-2-S-E-I-N, dont il admire la beauté et la variété, notamment dans les airs de tête, qui, dit-il, sont conformes à l'âge, au sexe et aux conditions. Donc là, tout est conforme à la réalité, en somme, y compris l'expression des figures. Enfin, évidemment, il admire les couleurs qui, dit-il, enfin les lumières et les couleurs, sont admirables. Mais néanmoins, il y a une petite critique sur la vraisemblance. Véronèse n'a pas observé toute la vraisemblance nécessaire au sujet. Notamment, précise-t-il, dans la manière de vêtir les figures qui, d'ordinaire, n'étaient pas fort convenables au sujet chez Véronèse, dit-il. Et effectivement, vous remarquez
qu'à part le Christ qui porte un vêtement, disons, inspiré de l'Antiquité, tous les autres personnages sont habillés en vêtements contemporains, y compris les pèlerins qui sont habillés comme les pèlerins du XVIe siècle. Et, précise-t-il, c'est en quoi on ne doit pas imiter Véronèse. Alors, en ce qui concerne ce mélange, en quelque sorte, du contemporain avec l'historique, il a pu prendre l'exemple chez Titien lui-même. C'est l'image que nous allons voir après. Donc, c'est les pèlerins d'Emmaüs de Titien dans la salle des États du Louvre, où vous voyez déjà que Titien vêt, à part le Christ, les autres personnages en vêtements contemporains, avec cette nappe magnifique, je le dis en passant, qui a fait l'admiration de tout le monde au XVIIe siècle pour ce tableau, au point qu'on appelait le tableau simplement la nappe. Mais bon, Titien, même s'il respecte le souffle tout à fait particulier de cet épisode de l'Évangile, donc le côté un peu silencieux et méditatif de l'épisode des pèlerins d'Emmaüs, il a quand même commencé à faire des allusions aux contemporains et à ajouter des animaux. Bon, même Bellini avait déjà commencé à faire ses allusions, mais Véronèse, évidemment, dans son propre tableau, porte cet aspect, en somme, quotidien qu'il faut donner à la religion. Il va beaucoup plus loin, et c'est justement ce qui a plu dans sa peinture aux commanditaires de la seconde moitié du XVIe siècle, c'est que pour Véronèse, la religion est partout, dans toutes les circonstances de la vie et dans toutes les classes sociales, depuis les classes sociales les plus élevées, les événements quotidiens de la vie des classes sociales les plus élevées, jusqu'aux événements quotidiens de la vie des classes sociales moins élevées, et même du peuple, Bassano lui montrant justement l'infusion de la vie religieuse chez les paysans à la campagne. Et on le voit très bien dans le tableau de c'est encore plus frappant dans les noces de Cana. Absolument. Donc ici, c'est l'apothéose, si j'ose dire, de montrer une scène religieuse de manière laïque, peut-on dire, puisqu'il s'agit de l'épisode des noces de Cana. Il faut un effort pour trouver le Christ, voilà, bien qu'il soit au point de fuite de la perspective du tableau, à côté de lui la Vierge et à côté Saint-Pierre. Donc ces trois personnages étant vêtus plus ou moins à l'antique, mais tous les autres, et il y a 130 personnages en tout dans ce tableau, sont vêtus en vêtements contemporains, la table des princes d'un côté, la table des ecclésiastiques de l'autre. Et je précise que le vêtement ecclésiastique, ce tableau a été peint en 1563, n'était pas encore fixé pour les ordres séculiers, c'est-à-dire pour les religieux qui se trouvaient au contact de la vie quotidienne et qui vivaient parmi les fidèles. Je ne parle pas des ordres réguliers, mais pour les ordres séculiers, le vêtement n'était pas fixé. Donc, vous voyez tous ces ecclésiastiques assez somptueusement vêtus de couleurs éclatantes. Et vous voyez qu'on voit dans ces noces toutes les caractéristiques d'une noce vénitienne de l'aristocratie. Donc ça se passe dans la cour d'un palais, voire même sur une place publique de Venise, avec toutes ces architectures inspirées de Palladio, où on voit se succéder les différents ordres de l'architecture. Vous voyez qu'il y a des musiciens sous le Christ, qu'il y a des chiens, des chats qui se promènent, qu'il y a des bouffons qui vont faire un spectacle pour les invités. Enfin bref, ces noces de Cana ont toutes les caractéristiques de noces de mariage à la vénitienne. Il commença par la figure du Christ, où il fit voir comment le peintre y a répandu la lumière sur le visage et l'a disposé d'une manière si noble et d'une beauté si singulière qu'il n'y a point de trait qui ne marque parfaitement l'image d'un corps glorieux. Le disciple, qui est à gauche de ce divin sauveur, paraît tout étonné. Ce qui fait voir
que Paul Véronèse a voulu représenter le moment auquel Jésus-Christ, en faisant la bénédiction sur le pain, se fit connaître. Car ce disciple est si ému qu'il se retire en arrière comme surpris d'une action si merveilleuse. Sa surprise ne paraît pas seulement par la disposition de son corps. On la voit peinte sur son visage par tous les signes qui arrivent lorsqu'il survient quelque action que l'on n'a point prévue, comme d'avoir les yeux fixement attachés sur le Christ, les sourcils élevés et la bouche entrouverte. Alors, ce passage, évidemment, touche à une question très importante au XVIIe siècle, puisqu'elle fera l'objet de plusieurs conférences de Lebrun, qui est la question de ce que l'on appelait l'expression des passions. L'expression des passions, ou encore de l'éloquence corporelle, ou de l'actio corporelle, c'est-à-dire comment ce que Descartes appelle les passions de l'âme, puisque les passions sont toujours des passions de l'âme, comment les passions de l'âme sont exprimées par des mouvements du corps. Donc comment elles s'expriment ? Alors, c'est une question qui est absolument essentielle pour un peintre, qui suppose l'idée que le corps est un corps signe, c'est-à-dire que l'intérieur, l'invisible, les passions, s'expriment par des signes visibles, c'est-à-dire que la tristesse va s'exprimer par tel signe visible dans le sourcil, la bouche, le mouvement du bras, etc., la joie par d'autres signes, etc. Bon. Donc là, Nocret parle de la surprise et de l'étonnement, qui est une passion très importante, puisque c'est la passion de l'admiration. C'est la première dans les passions de Descartes, la première passion, celle qui n'a pas de contraire, c'est justement l'admiration qui est surprise et étonnement. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que c'est une question absolument fondamentale qui va être l'objet d'une grande réflexion philosophique chez Descartes, chez les médecins, etc., puisque ça touche à la question de la relation de l'âme et du corps, et qui va faire l'objet, comme je l'ai dit, de conférences de Lebrun, une conférence sur l'expression générale le 7 avril 68, et une conférence sur ce qu'on appelle l'expression particulière, enfin deux conférences, le 6 octobre et le 10 novembre 1668, où Lebrun va distinguer les différents signes par lesquels on peut reconnaître une passion, donc la peindre, l'exprimer, etc. Et il va faire des dessins. Ces conférences seront accompagnées de dessins gravés par Sébastien Leclerc. Et vous voyez là que... Alors, c'est une véritable grammaire. On a parlé d'une grammaire des expressions. Vous voyez là l'étonnement, vous achetez l'étonnement, donc, qui est caractéristique par le sourcil relevé, la bouche entrouverte, etc. Et de manière un petit peu audacieuse, nous l'avons rapproché de cette figure de Véronèse. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la description de Nocret, qui lui est un contemporain de Lebrun et pas de Véronèse, en fait, utilise exactement le même vocabulaire. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'un petit peu plus tard, quand Lebrun décrira très longuement la manne de Poussin, et notamment la figure du personnage qui est totalement à gauche du tableau. Ah oui, j'ai oublié de vous signaler que quand le Nocret parle de gauche et de droite, ce n'est pas votre gauche et votre droite, mais c'est la parce qu'il y revient plusieurs fois, c'est gauche et droite par rapport au Christ. Mais en tout cas, dans la description que fait Lebrun dans sa conférence sur la manne de Poussin, et où il décrit le personnage qui est à gauche, vous savez, qui est comme ça devant la femme qui donne le sein à sa mère, il emploie exactement les mêmes termes, c'est-à-dire que le corps se retire, l'étonnement qui s'accompagne d'admiration. On retrouve aussi cette grammaire des passions, au fond, qui a toujours passionné Lebrun, cette variété. C'est l'idée de variété sur laquelle Jean Habert a insisté tout à l'heure. C'est un critère extrêmement important. Dans le tableau qui est à Versailles de Lebrun, de la tente de Darius, où on voit aussi déjà une grande variété dans l'expression des passions avec des figures qu'on retrouvera ailleurs chez Lebrun, la supplique, la prière, les yeux, la bouche, etc. Et donc on a une sorte on déploie comme ça les diverses attitudes, gestes de ce que l'on a appelé l'éloquence
l'éloquence corporelle. Pour l'autre disciple, comme il est vis-à-vis du Christ un peu plus sur le devant du tableau, il est peint avec beaucoup de force. Et parce qu'il est proche de la table dont la nappe cause une grande blancheur, le peintre l'a tenu d'une carnation plus vive et plus chargée afin de le détacher de cette blancheur, ne l'ayant pas aussi éclairé d'une forte lumière, pour faire que celle qui est la principale dont le tableau domine toujours dans la figure du Christ. Il a seulement fait paraître un éclat de jour sur un peu de linge qui lui sert de manche. Auprès de ce disciple, il y a un jeune garçon d'une fort grande beauté. Il a le visage tout éclairé pour faire voir, par la qualité et la quantité de lumière qu'il reçoit, la distance qu'il y a entre le Christ et le disciple. Ce jeune garçon a la main sur la tête d'un autre enfant encore plus jeune, et cette tête n'est éclairée que sur le front par un rayon de jour qui le frappe, pour montrer encore l'endroit où il est placé et où la lumière passe. Alors évidemment, dans ce passage, Nocré insiste beaucoup sur la lumière comme moyen de construire l'espace dans la peinture de Véronèse. Effectivement, on peut, en suivant toute la théorie des personnages, voir par où passe la lumière qui indique les lieux où les personnages se tiennent, la distance qui les sépare, donnant ainsi la profondeur du tableau. Alors, par exemple, si on part des deux jeunes enfants dont Nocré vient de parler, vous voyez que la lumière qui frappe le visage ici et même le front là est une lumière qui passe entre la figure du Christ et de l'apôtre qui se trouve devant lui. Même chose dans les figures qui se trouvent derrière. Par exemple, la servante plus âgée qui se trouve tout au fond reçoit la lumière sur son visage, bien qu'un peu atténuée par rapport au personnage du premier plan, une lumière qui passe derrière l'aubergiste. De même, l'aubergiste, sur son bras, sur sa manche, qui fait écho d'ailleurs à la manche du pèlerin de Luc, la lumière vient derrière le Christ, qui donc indique bien la position de l'aubergiste derrière le Christ. Même chose pour ce garçon, comme la vieille servante tout à l'heure, il se trouve un peu au fond dans une lumière plus atténuée, mais son visage reçoit la lumière derrière Cléophas. Pour les deux jeunes filles qui se trouvent derrière leur mère, la plus grande reçoit la lumière qui passe derrière le dos de sa mère, alors que la plus petite est dans l'ombre de sa mère. Et vous voyez que là, les valeurs s'inversent et qu'elle reçoit en fait une lumière atténuée de l'autre côté du visage qui est un reflet en fait de la lumière qui frappe Cléophas. En revanche, le bas de sa robe, vous voyez, reçoit la lumière directement, cette lumière donc qui tombe derrière la mer, et ainsi de suite. On peut trouver, on voit la même façon de structurer l'espace dans les noces de Cana. Si on examine notamment la partie droite du tableau, qui est à l'ombre, puisque la lumière dans les noces de Cana vient aussi d'en haut à droite, donc éclaire toute la partie gauche en lumière directe. En revanche, le côté des ecclésiastiques, justement, de cette noce se trouve dans l'ombre de l'architecture palladienne, mais les figures sont bien distinctes les unes des autres et on comprend leur position en allant vers le fond, vers la balustrade, grâce à la lumière qui passe à travers les colonnes. Alors devant cette colonne, entre cette colonne et le personnage repoussoir à l'extrême droite, vous avez une lumière qui éclaire la première figure et peut-être celle-ci. Ensuite, entre ces deux colonnes, filtre une lumière qui éclaire le personnage assis à côté.
Ensuite, vous voyez une lumière qui filtre et qui éclaire d'ailleurs une partie de la troisième colonne et qui éclaire aussi le vêtement du serviteur. La lumière derrière tout ce portique éclaire ensuite les dernières figures de la table et les personnages, les serviteurs qui se trouvent sur l'escalier. Bon, plus haut, vous avez le même phénomène. La lumière qui filtre à travers ces deux premières colonnes cannelées éclaire les serviteurs qui apportent quelque chose. Et là, à travers la lumière qui passe entre les deux dernières colonnes, cette lumière éclaire le dos du serviteur qui porte de la viande vers la table où on partage le mets pour distribuer aux visiteurs, aux participants de la noce. Et enfin, tout ce côté du bâtiment du fond qui est éclairé par la lumière qui se trouve derrière ce second édifice. Donc, cette manière d'éclairer l'espace nous indique la profondeur. Et malgré le foisonnement des figures, malgré cet effet de foule dont Veronèse était le grand spécialiste, permet néanmoins de lire l'œuvre et de distinguer chaque personnage. Évidemment, la couleur ajoutant à cela, par ses contrastes, un élément de lisibilité supplémentaire. Il y a deux hommes qui servent à table, dont l'un ressemble fort bien à un cuisinier. Il est vêtu d'une façon convenable à son emploi, mais ce qu'on doit remarquer est la manière dont il est disposé pour faire paraître plus avantageusement la figure du disciple qui est sur le devant, dont le peintre a eu dessein de faire une des principales de son tableau. Auprès de ce cuisinier, l'on en voit un autre qui porte un plat et qui regarde en quel endroit de la table il le posera. Sa posture et ses regards montrent assez bien qu'il est appliqué à ce qu'il fait. Il y a derrière lui une femme déjà âgée dont le visage est peint d'une demi-teinte. De l'autre côté du tableau, et derrière la figure du Christ, est un jeune garçon vêtu d'un habit jaune, mais dont la couleur est éteinte pour servir de champ au manteau du Christ, et qui, du côté du jour, reçoit l'ombre du disciple opposé. Cette partie du tableau est composée des principaux de la famille que Paul Véronèse a eu dessein de représenter. C'est là qu'on peut admirer sa grande facilité à bien disposer ses figures et cette belle manière de les mettre dans des actions aisées et agréables. Il y a sur le devant une femme qui tient un petit enfant entre ses bras et qui a auprès d'elle un autre petit garçon qui semble se cacher sous sa robe. Paul Véronèse a pris soin de faire voir dans ses figures une carnation plus belle et plus fraîche que dans toutes les autres et de ne faire paraître qu'une masse de couleurs vives et agréables qu'il a éclairée d'une lumière forte et étendue parce que ce groupe étant en quelque sorte séparé de son principal sujet, il ne lui ôte rien de sa force mais fait comme une autre partie où la vue se repose et voit avec plaisir cette belle union de couleurs que M. Nocret fit remarquer dans les draperies qui s'accordent parfaitement bien avec toutes les chairs et qui s'unissent tendrement les unes avec les autres, ne tombant pas tout d'un coup d'une extrême couleur à une autre, mais se servant toujours des couleurs voisines pour rompre les couleurs les plus fortes. Il fit aussi observer la figure d'un jeune enfant qui est devant cette femme et qui tient un petit chien en ses mains. Il est vêtu d'une étoffe fort brune pour faire contraste avec les autres couleurs qui sont derrière, et pour faire paraître davantage la tête de ce jeune enfant, où M. Nocret fit voir une si belle manière de peindre et des teintes si douces et si naturelles qu'il est difficile de rien faire de plus parfait. Il montra aussi, comme pour relever encore ce groupe de figures et opposer quelque chose à la beauté de cette femme et à la fraîcheur de ses enfants, le peintre a mis sur le derrière un homme vêtu de noir et à côté de lui un maure qui sert à faire enfoncer tout le tableau. Ces deux figures plus fortes en couleur et moins illuminées font un contraste admirable avec le grand éclat de ces brillantes carnations et de ces vives lumières qui sont répandues sur les figures dont je viens de parler et empêchent que la vivacité de ces carnations et de ces lumières ne se confonde avec certains éclats de jour qui brillent sur des vases d'or et d'argent rangés sur un buffet que l'on aperçoit entre deux colonnes.
Alors, je voudrais juste revenir brièvement à ce que je disais au début. On a là, dans ce passage, je crois, une parfaite illustration de ce que peut être un regard de peintre. L'analyse de Nocret est vraiment une analyse purement plastique. Et c'est intéressant quand on regarde quelles sont les raisons, les explications qu'il donne à la question pourquoi est-ce que tel personnage ou telle figure est un peu plus foncée. Sa réponse, c'est pour faire un contraste et pour renfoncer le tableau. Pourquoi est-ce qu'on a mis la figure d'un mort dans, pourquoi est-ce que Véronèse a mis la figure d'un mort dans le fond? Il ne cherche pas une raison historique, iconographique, etc. C'est vraiment, il avance une raison purement picturale, c'est parce qu'il savait, comme tous les peintres l'ont toujours su, bien avant Maurice Denis, qu'un tableau, avant d'être une bataille, etc., c'est des lignes et des couleurs en un certain ordre assemblées, hein, et que donc c'est là-dessus qu'il insiste. Hein, voilà, si on met du noir, c'est pour mieux faire ressortir les jeux de lumière et des contrastes. Derrière cette femme, il y a un homme qui vraisemblablement représente Paul Véronèse, dont la tête est peinte avec grande force et avec assez de lumière. Oui, alors ici, évidemment, dans l'historiographie des tableaux de Véronèse, on a toujours cherché à trouver un autoportrait de Véronèse dans ses grandes compositions religieuses avec tant de figures, alors qu'on ne dispose pas de véritable autoportrait de Véronèse. Mais on n'a jamais réussi à démontrer qu'il y avait dans aucun des tableaux de Véronèse un autoportrait. Alors ici, si on compare cette tête avec un autre autoportrait supposé de Véronèse, c'est-à-dire l'homme en blanc, le musicien en blanc des noces de Cana, peint quelques années plus tard, puisque ici nous sommes en 1559 et là en 1563, nous voyons bien que d'abord cet homme est plus jeune que celui-ci, et ensuite qu'il ne se ressemble pas du tout. Donc ce genre d'identification est purement imaginaire, hypothétique et propre à chaque auteur. Mais à côté de cette femme et un peu plus loin, il y a deux filles, dont la plus jeune n'est éclairée que d'une lumière de reflet qui vient de l'habit rouge du disciple qui est devant elle, ne recevant aucun jour direct que sur le bas de sa robe, pour marquer seulement le vrai lieu où elle est placée. Derrière cette jeune fille, il y en a une autre un peu plus grande qui hausse la tête d'une façon très agréable. Elle est dans une demi-teinte et sert à faire que les figures dont elle est environnée se détachent si bien les unes des autres que l'œil n'est point embarrassé et ne trouve rien qui ne le contente et ne le charme. Sur le devant de ce tableau, il y a deux petites filles qui se jouent avec un gros chien d'une façon qui convient bien à de jeunes enfants. Elles sont vêtues d'une étoffe blanche à fleurs d'or, ce qui sert, avec la lumière que le peintre y a répandue, à les rendre plus agréables et à les faire paraître encore plus proches de la vue. Monsieur Nocret, ayant fait remarquer comment dans cette belle composition les figures sont parfaitement disposées et les ombres et les jours donnés avec une force et une diminution convenables à cette belle ordonnance, dit que l'on devait particulièrement considérer cette grande facilité et cette maîtrise qui paraît dans cet ouvrage, où l'on voit que dans la disposition et placement des figures, il n'y a rien de contraint ni d'embarrassé, mais que tout y est libre, soit dans les attitudes, soit dans la situation. Que les teintes des carnations y sont si naturelles et si charmantes que tout y semble vivant. Non seulement par l'expression des mouvements qui sont les principales marques de la vie, mais aussi par la couleur de la chair qui paraît si vraie que l'on croit voir la peau couvrir le sang, les muscles et les os comme dans les corps naturels. Il fit remarquer que Paul Véronèse, ayant représenté ses figures sous une loge ou galerie ouverte de toutes parts, celles qui sont du côté gauche par où entre le plus grand jour, reçoivent plus de clarté que les autres. Ce qui se remarque bien dans le portrait de Paul Véronèse et dans cette femme qui tient un enfant. Car de l'autre côté, où sont les hommes qui servent sur table,
on voit que la lumière est beaucoup moins forte. Là, vous avez à nouveau un nouvel exemple de cette analyse en termes plastiques qui insiste sur la lumière et où on retrouve cette question de la double lumière. Juste un mot sur l'éloge de la carnation, hein, de la manière dont Véronèse sait rendre la carnation, hein, notamment la couleur de la chair qui paraît si vraie que l'on croit voir la peau couvrir le sang, les muscles et les os. Ça, on a là un lieu commun, mais au sens positif du terme, de l'éloge des peintres coloristes. Hein. Un peintre coloriste, c'est l'éloge qu'on trouve à propos de Titien, à Rubens. On retrouve ce type de phrase. Un grand peintre coloriste se remarque d'abord en ceci qu'il sait rendre les couleurs de la carnation, qu'il sait peindre la chair et que l'on croirait, on pourrait croire que cette chair est vivante. Alors, à partir de là, va commencer une discussion. Hein, donc ça, c'était la première partie de la conférence de Nocret. Et là, commence une discussion, des remarques ou des objections. Quelqu'un de la compagnie dit aussi qu'on devait considérer dans ce tableau qu'à l'égard de la lumière, ce peintre ne prenait pas tant garde à l'effet particulier qu'elle fait d'ordinaire sur les corps, ni aux ombres que les figures peuvent porter les unes sur les autres, comme il était exact à répandre de grandes masses de jour et d'obscurité dans les endroits où elles pouvaient causer un plus bel effet. Qu'aussi jamais il ne s'arrêtait à examiner ce que chaque partie était capable de recevoir d'ombre ou de lumière, mais qu'il considérait tout son tableau à la fois, et selon la disposition des grandes parties, il y répandait de plus grands jours, que c'est par là qu'il a trouvé le secret de charmer les yeux. Et cette partie a été si fort recherchée par tous les peintres de Lombardie que pour la posséder plus parfaitement, ils ont négligé les autres, au lieu que ceux de l'école de Rome ont fait scrupule de prendre ces licences, demeurant le plus qu'ils ont pu dans l'imitation du beau naturel. Que cependant, l'on peut tirer beaucoup d'instructions des uns et des autres en cherchant une disposition avantageuse et des jours qui puissent produire ces beaux effets. Et même, en quelques rencontres, aider à la nature, elle apparaît, s'il faut ainsi dire, de lumière choisie, lors principalement qu'on ne fait rien qui lui soit entièrement opposé ou qui la rende méconnaissable. Quant aux couleurs de ce tableau, l'on voit bien qu'elles sont belles, fraîches et employées avec une grande facilité et une pratique aisée. Mais il n'y a pas pourtant dans leur arrangement cette douce harmonie et cette belle union qui se trouve dans celle du Titien. Bon, alors là, évidemment, Nocret évoque un débat qui va croître et embellir, surtout à partir de la fin du XVIIe siècle et jusqu'au XVIIIe. C'est l'opposition entre ce qu'il appelle l'école lombarde, dont fait partie l'école vénitienne, en fait, il veut dire l'Italie du Nord, opposée à l'école romaine, c'est-à-dire l'Italie centrale. Donc, le beau naturel, comme il dit, qui caractérise l'école lombarde, donc la peinture vénitienne, et le beau idéal, l'imitation du beau idéal qui caractérise l'Italie centrale. Donc c'est une des premières mentions, je crois, du débat entre coloris et dessin. Oui, absolument. Je crois que, enfin, en tout cas, dans les conférences du XVIIe siècle, c'est effectivement une des premières mentions du débat donc, entre coloris et dessin. Qui en Italie, donc c'est le débat colore disegno qui a opposé, enfin on a opposé Titien et Raphaël, et c'est un débat qui reprendra. Donc là vous avez le Christ de Véronèse, ben, Titien, et la Vierge de la Grande Sainte Famille de Raphaël, hein, où on peut voir assez très rapide comment d'un côté ce qu'on l'on dit du coloris, c'est-à-dire le coloris c'est toujours le tout ensemble, l'harmonie, le fondu. Des lumières, le passage et la transition progressive, etc. Alors que du côté, disons, de Raphaël, des maîtres du dessin de l'école romaine, au contraire, les figures sont beaucoup plus dessinées et beaucoup plus éclairées de manière à être beaucoup plus isolées. Alors le débat qui a opposé deux écoles italiennes va se durcir évidemment en France et Nocret ici est du côté, bien évidemment, des coloristes. Quelqu'un voulut trouver à redire dans le visage du Christ et montrer qu'il paraissait enflé,
et les joues trop rondes. Mais l'on fit voir que la disposition où il est et la lumière dont il est éclairé étaient cause qu'il y paraissait une si grande uniformité de teinte. Ce qui était même nécessaire pour faire connaître la propre lumière de ce corps glorieux, laquelle ne permet pas que toutes les parties du visage soient si distinctes et si fortement marquées, ce que chacun reconnut véritable, ne trouvant rien dans cette image qui ne soit tout à fait admirable et divin. Il y en eut même qui excusèrent l'ordonnance de ce tableau, et dirent que cette famille si nombreuse pouvait avoir rapport à une semblable qui se serait rencontrée dans le lieu où ses disciples furent prendre leur repas, laquelle, voyant peut-être quelque chose d'extraordinaire dans le Christ lorsqu'il entra avec ses deux disciples, demeurèrent là pour le considérer. Mais l'Académie ne s'arrêta pas à cette charitable excuse. Elle ne voulut rien dire davantage sur la bienséance nécessaire pour l'accomplissement de cet ouvrage, se contentant d'en recommander les parties dignes d'être imitées, comme sont celles dont M. Nocret a fait des remarques. Et parce qu'on avait parlé des jours de reflet dans une des conférences précédentes, et qu'on avait dit qu'il n'était pas avantageux, ni même naturel dans les lieux enfermés, et que cependant il y avait dans ce tableau une jeune fille qui n'était éclairée d'une lumière réfléchie qui faisait un très bel effet, l'Académie fit voir que toutes ces figures n'étaient pas dans un lieu qui fût comme une chambre qui ne reçut son jour que d'une seule ouverture, mais qui les perçait de toutes parts et tire particulièrement du côté gauche une lumière très forte et très étendue. Mais de plus, elle montra que cette figure n'est pas éclairée d'une lumière première, mais seulement d'une seconde de reflet, et qu'ainsi elle a une partie éclairée du côté de la lumière réfléchissante et que l'autre est ombrée. Ce qui ne cause pas le même inconvénient. Comme dans celles qui sont éclairées d'un côté par la principale lumière et de l'autre par un jour de réflexion, que c'est de la sorte qu'on en peut user très avantageusement et faire naître de beaux effets dans un tableau par le moyen de ces diverses lumières données à propos. Cette conférence étant finie, l'Académie pria M. Lebrun de vouloir choisir un tableau pour le premier samedi du mois prochain. Alors, vous voyez que donc, dans cette discussion, on reprend des questions qui avaient été abordées sur la bienséance et sur les reflets, notamment sur l'idée de la disposition des lumières en grande masse, qui est quand même un point extrêmement important. Mais alors maintenant, nous allons retourner à Versailles, retrouver Lebrun, enfin d'abord Nocret et puis Lebrun et Véronèse en guise de conclusion, donc vous connaissez. Voilà, alors là, c'est un tableau de... On voulait vous montrer un tableau de Nocret, donc de celui qui a fait la conférence. C'est la famille de Louis XIV qui se trouve dans le salon de l'Œil de Bœuf. Et un détail, on a les deux enfants qui sont dans le bas donc du tableau de Nocret, que nous avons voulu rapprocher des deux enfants du Véronèse, où vous pouvez voir la même construction en pyramide, hein, manifeste que Nocret, même si c'est évidemment très différent, s'est inspiré, en tout cas du point de vue de la construction, des deux enfants de Véronèse. Alors, en guise de conclusion, si vous avez encore 5 minutes de patience, je voudrais revenir sur cette comparaison donc, à Versailles, hein, cette comparaison entre les deux tableaux qui va devenir de plus en plus importante dans les décennies suivantes, et parce qu'elle va s'inscrire surtout grâce ou à cause de Perrault, peu importe, selon le point de vue que l'on a, l'opposition va se durcir et surtout ça, elle va s'inscrire, cette comparaison, dans la querelle des anciens et des modernes, puisque dans le parallèle des anciens et des modernes, Perrault va consacrer un long passage à la comparaison du tableau de Véronèse et de Lebrun, en faveur, évidemment, du tableau de Lebrun. C'est-à-dire que cette fois-ci, la comparaison va prendre véritablement une signification politique, ce qu'elle avait, au fond, déjà quand Louis XIV a pris la décision de les mettre côte à côte. Alors, juste, je vous lis un petit extrait du Perrault en guise de conclusion. Ce sont trois personnages qui parlent, le président, l'abbé, le chevalier. L'abbé est le partisan des modernes. Vous n'entendez pas là le chevalier. L'abbé, le partisan des modernes, et le président est le partisan des anciens. Alors voilà, c'est l'abbé qui parle. « Je demeure d'accord que le tableau des pèlerins est un des plus beaux qu'il se voit. Les personnages y sont vivants et l'on croit ne voir pas moins ce qui se passe dans leurs pensées. »
que l'action qu'ils font en au dehors. Mais comme un tableau est un poème muet où l'unité de lieu, de temps et d'action doit être encore plus religieusement observée que dans un poème véritable, parce que le lieu y est immuable, le temps indivisible et l'action momentanée, voyons comment cette règle est observée dans ce tableau. Tous les personnages sont à la vérité dans la même chambre, mais ils y sont aussi peu ensemble que s'ils étaient en des lieux séparés. Ici est notre Seigneur qui rompt le pain au milieu des deux disciples. Là sont des Vénitiens et des Vénitiennes qui n'ont presque aucune attention au mystère dont il s'agit. Et dans le milieu sont des petits-enfants qui badinent avec un gros chien. Serait-il pas plus raisonnable que ces trois sujets formassent trois tableaux différents que de n'en composer qu'un seul qu'ils ne composent point ? Vous voyez, cette absence d'unité qui est évidente dans le tableau de Véronèse, même du point de vue des séquences narratives, comme Jean Habert vous l'a montré, n'était pas du tout perçue comme un défaut à la Renaissance et pas encore véritablement perçue. On disait que ce n'était pas terrible, ça, mais bon, il ne fallait pas trop insister là-dessus, mais pas encore véritablement, enfin, ne faisait pas l'objet d'une véritable critique chez Nocret. Là, maintenant, c'est vraiment cette idée d'unité avec un modèle théâtral qui est derrière, évidemment, hein, les fameuses trois unités, qui fait l'objet de la critique de Perrault. Président, vous m'avouerez qu'on croit entendre parler les personnages de ce tableau et que la gorge de cette femme qui est sur le devant, là, c'est la droite, est de la vraie chair, l'abbé. J'en conviens. Mais quelle nécessité, quelle bienséance y a-t-il que ces personnages parlent et que cette femme vienne montrer là sa chair ? Alors, l'abbé critique, l'absence d'unité, critique du manque de bienséance, et ensuite l'abbé critique le manque d'unité dans la composition. Il a mis deux points de vue dans son tableau, l'un pour le paysage et l'autre pour la chambre, où le Sauveur est assis à table avec ses disciples, car l'horizon du paysage est plus bas que cette table dont on voit le dessus, qui tend à un autre point de vue beaucoup plus élevé, faute de perspective qu'on ne pardonnerait pas aujourd'hui à un écolier de 15 jours. C'est-à-dire que c'est vrai, ce double point de vue, simplement. Ça n'était pas perçu comme un défaut, maintenant c'est perçu comme un défaut. Je ne crois pas que nous ayons aucun de ces reproches à faire au tableau de la famille de Darius. C'est un véritable poème où toutes les règles sont observées. D'ailleurs, quelle beauté et quelle diversité dans les airs de tête de ce tableau. Ils sont tous grands, tous nobles, et si cela peut se dire, tous héroïques, etc., etc. Et là, il part dans un long éloge du tableau de Lebrun. Hein. La perspective y est partout bien observée, la belle économie du tout ensemble, etc. Voilà ce qui ne se peut pas dire si positivement du tableau des pèlerins de Paul Véronèse, ni de la plupart des tableaux de son temps. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'en fait, il s'agit, au-delà de Véronèse, il s'agit de montrer, au-delà de la supériorité de Lebrun sur Véronèse, il s'agit de montrer la supériorité du siècle de Louis XIV sur les Italiens, qui sont les anciens par rapport auxquels les Français du XVIIe siècle sont les modernes. Juste une phrase de conclusion que je laisse à Jean Habert, qui va lire une petite phrase. Oui, donc cette querelle s'est durcie, comme vous disiez, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on peut dire. Mais enfin, néanmoins, on peut conclure, selon le mot de Bachaumont dans son essai sur la peinture, la sculpture et l'architecture en 1752, que l'un des tableaux a des parties que l'autre n'a pas, et que l'autre en possède quelques-unes dont son voisin manque, ou, pour mieux dire, affirmons que ce sont deux des plus beaux tableaux qu'on puisse voir et que leurs auteurs sont deux des plus grands peintres qui aient jamais existé. C'est ce qu'on appelle le consensus.